Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 15 de ma campagne avec le chaos en difficile. Je passe le tour. Nous cherchons des cités à conquérir. Alors évidemment, je vais pas aller au nord là, hein. C'est plutôt des alliés. Donc je vais retourner vers l'ouest, on va aller vers Bordeaux pour récupérer les villes qui nous manquent. Il nous en manque encore pas mal, donc ça va prendre un peu de temps, c'est évident. Donc, on va se déplacer et on va se refaire. Direct me, Dark Gods. Alors, l'alternative, ça aurait été de nous attaquer à ces tribus des peaux vertes, puisqu'on recherche des combats. Mais bon. Ah donc, ici... Rien de spécial. Ici, donc, on a vu que Bordeaux était en guerre avec l'Estadie. On va descendre un peu par ici, voir ce qu'on pourrait faire. Ouais, je pense que c'est la bonne direction à prendre, hein. Il y a beaucoup de villes à attaquer par ici, donc je pense qu'on ira ici effectivement vers Lyonnaise, vers Moussillon, vers Gisereau, vers Château de Bastogne, vers Bordeaux, etc. Et puis ensuite on attaquera l'Estadie. Allez, je passe le tour. On va essayer de commencer à assassiner des héros ennemis, hein. Ce sera pas perdu. Donc lui, il est en plein scout. Pas d'armée, hein, sur zone. Donc, tout ça, c'est assez intéressant. Allez, on va faire ça et on enchaîne. Toujours pas. Ok. Allez, on passe le tour. Alors on pourrait se dire autant recruter une deuxième armée, ça me permettrait de gagner du temps, mais le problème c'est que recruter une deuxième armée... Oui, on va vous faire un cadeau à vous. Recruter une deuxième armée alors qu'on est en train de se déplacer dans une zone où il n'y a pas de revenus possible, c'est pas la meilleure des idées à mon sens. Donc voilà. Alors j'ai beaucoup d'argent, est-ce que j'irai pas chercher ça? 40 000. Qu'est-ce qui me reste ici éventuellement? Rendu héros recruté. Ouais. Expérience de l'unité. Ça peut être intéressant. Guerrier du chaos et chevalier du chaos. Pour l'instant, j'ai pas la cavalerie. Enfin, ça, c'est pas mal du tout, hein. Même très très bien. Hein. Allez, on va dépenser ça. Ok, donc lui, il a joué. Non, il a pas joué en fait, mais il est bien ici. Il va se déployer. Ok, on n'est pas si loin que ça.
Et donc, où est-ce que j'en étais? Alors, il n'y a plus d'agent ici, donc on va continuer au sud. Il est là, tiens. Parfait. Allez, je passe au tour. Vous voyez, l'Estalie après Brionne, hein, donc... moi, c'est Bordeaux et Estalie pour la suite des opérations afin d'atteindre les cités qui me manquent. Donc, coup de recrutement éventuellement. Munitions plus 15, j'ai pas de problème de munitions. Réduction de temps de chargement, c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ça... c'est très intéressant aussi. Ça, j'ai pas encore. Ça, c'est très très bien. On va quand même prendre ça pour améliorer notre artillerie, je pense. I must keep my holy vow. No. C'est assassiné celui-ci. Donc là, on a dit qu'on bougeait pas. Donc lui avance. Je veux juste vérifier qu'effectivement je ne peux pas recruter encore Archaon. Ici, est-ce qu'il y a un truc 26? Bah ouais, je pourrais quand même faire quelque chose. Donc j'ai tout ici. Donc les trolls, ça m'intéresse moyen. Ça par contre, la cavalerie, ça m'intéresse. Donc écoute, oui, on va y aller chercher ça. Allez, on passe au tour. On n'oublie pas que pour recruter les héros, il faut aussi de la popularité. De la population, pardon. Alors. Rien, toujours rien. On continue donc. Il y a encore des villes partout par là, donc autant nous y intéresser. Ouais. Encore 16, hein, donc vous voyez qu'il y a de quoi faire. On n'y est pas. Allez, on fonce. Ici, rien. Et ici non plus. Il n'y a pas de ville par ici. Ok. Alors, je passe le tour. C'est passé un truc avec Brionne. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, donc on va remonter, hein, je pense. Ici non plus. Donc, on enchaîne.
J'ai peut-être commis une erreur de m'attaquer à Marienbourg, hein. Peut-être qu'il y avait plus de cités à prendre de ce côté-là. Donc ça m'a fait faire des allers-retours, effectivement, ce qui est pas très sympa. Donc je pense que c'est l'Estali qui est en train de... Ah voilà des agents. Allez, on passe au tour. Bastogne aussi est pris d'assaut, donc je sais pas par qui exactement. La colonie est assiégée. On va voir ça assez vite. Allez, on déclare la guerre, c'est parti. On va le faire en automatique, celle-ci. Donc à ce stade-là, effectivement, peut-être que je vais effectivement voir si je vais pas recruter l'armée tout de suite, en fait. Et Arcaon sera ensuite. Quoi. Parfait. Allez, on passe le tour. Je sais pas s'il n'y a pas d'autres événements du chaos comme celui de tout à l'heure où effectivement... enfin tout à l'heure, il y a un grand nombre de tours qui a conduit au fait d'être attaqué par une unité ennemie. Du chaos. Donc ça c'est quoi? Ah non, c'est les nains, dites donc, qui viennent par ici. Parfait. Donc encore 15. Donc c'est sûr que ça va pas suffire. Ces villes qui sont dans ce coin. Now is my time. Let's be about this. Donc. Come back to the dead. No, I must earn my place. Allez, on passe au tour. Donc la prochaine fois que je fais un camp, je regarde si effectivement j'ai pas un général à recruter intéressant. Ça accélérera vraiment la conquête de ces cités, d'avoir deux armées au lieu d'une seule. Effectivement, ça me donne envie d'attaquer ces nains là. S'ils restent comme ça, je pourrais comme ça sacrifier des prisonniers, je pense. Ce serait intéressant. Bordelot. Ils font beaucoup de choses, on dirait. Allez, on attaque Moussillon. Qu'on pulvérise.
On va raser direct. On va faire ça. Ok. Ah bah écoutez, il y en a un autre ici. Niveau 6. C'est pas grave, ça viendra. Ok, ok, ok. Je passe le tour. Pas tout de suite. Donc lui... Ouais. Alors on va prendre les points de vie. Toujours intéressant. Plus d'agents dans le coin. Donc là on va se remettre. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Bah, on peut aller chercher ça. Ok, eh ben écoutez, je passe le tour. Est-ce que je peux attaquer cet arbre? Je pense que je l'ai fait trop tôt, encore une fois, mais c'est pas grave. Je vais pas pouvoir les attendre, je pense, si. C'était peut-être pas le meilleur des choix, mais tant pis. Faire ici. Il n'y a rien à faire par là. Donc on va monter vers Paramount. Ok, je passe le tour. Bon, j'ai commis une erreur. J'aurais dû me rapprocher plus près et surtout dans la bonne direction. Pour pouvoir me choper cette armée de nains. Beacon. Yes, good. Destroy. Parfait. Ici on a dit rien, et si je vais en fait déployer. Allez, je passe le tour. Rentre chez elle, dommage, dommage, dommage. Ah, un petit agent qui m'intéresse. I will not do as you ask. Cet accent franchouillard, je crois que je m'en lasserai jamais. Allez. On va aller tranquillement vers Guisereux. On va refaire un camp. Ok. Alors l'alternative, ce serait évidemment que je recrute.
par exemple des cavaliers du chaos, des chevaliers du chaos avec lance. Il faut deux tours pour les prendre. Si je fais ça, donc ogre dragon chagot, ogre dragon. On peut faire ça peut-être. Voilà. Et pourquoi pas recruter donc. Donc quelle est la différence? On va prendre un chat en fait. Voilà. Toc. J'ai fait mon assassinat ou pas? Je sais plus. Ouais, j'avais fait. Alors, le problème, c'est que j'ai beaucoup de cavalerie, mais enfin bon, tant pis, hein, après tout. Ah, genre, je regrette d'avoir fait ça. Hein. Je me suis très mal débrouillé avec les nains, là. J'aurais pu faire bien mieux que ça. Hein. Donc, de toute façon, ici... Je suis coincé un tour. Ouais, je regrette les nains, vraiment j'aurais dû les choper quoi. Il fallait que je me place mieux que ça. En plus on n'était pas en guerre, donc je pouvais les avoir par surprise, c'était la meilleure des solutions. Ouais, bien, elle est résistante la petite. Ok. On va directement raser. Allez, on passe au tour. Donc j'hésite, je vais peut-être aller m'occuper des nains qui sont là. Donc, ici. Ah, c'est pas dommage. Il monte aussi, lui, d'ailleurs. On va lui donner... Industrier. Ok, donc on va aller par là et on va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, ça fait beaucoup de... Beaucoup d'unités, on va voir. Je vais peut-être pas m'embêter avec ça, je vais peut-être aller direct vers Paravon comme on l'avait indiqué jusque là. On va voir. J'hésite encore, mais on va voir. A noter que je vois quand même pas beaucoup mes alliés entre guillemets. Hein. Bah écoutez, on va aller par là voir hein, s'il se passe quelque chose. Visiblement pas grand chose. Allez, on va aller voir un peu ce que ça vaut ces nains. Bah écoutez, on va faire ça. On va maintenir le siège. Et on passe le tour. Aussi trois villes de nains éventuellement à détruire. Hey, mais dites donc, Vissenland est toujours là. Hein. On en est où d'ailleurs au niveau de tout ça donc.
tribu du premier rang est toujours ici. Vous voyez les territoires des Scaling, hein, c'est gigantesque. Les Vargos aussi d'ailleurs. Non, pas tant que ça en fait. Donc ça c'est quoi? C'est les peaux vertes qui vont jusque là. Comte vampire, un peu réduit je crois. Preneur de crâne. Tribu du premier rang. Ok, ok, ok. Ouais, donc il n'y a pas assez de villes par ici, donc il faudra certainement... Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Après les Stalys, on sait que ça peut continuer par là. Hein, donc. À voir, à voir, à voir. Ok. Je sais plus où j'en suis, si j'ai passé le tour ou pas. Semblerait que non... Mais on va passer le tour parce qu'on est en plein siège et qu'il va falloir de toute façon passer le tour plusieurs fois. Alors j'ai une montée dans mon armée principale. Donc mon sorcier. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Pourquoi pas essayer ça? Bon, allez, on va prendre ça quand même. C'est une capacité à lui spécifiquement. Donc. Ah ouais, ok. On continue. Rien à faire par ici, non, toujours pas. On va aller voir, on va retourner voir vers les Stalys alors. Peut-être des agents à tuer par ici. Allez, je passe au tour. Preneurs de crâne ont été détruits. Très bien. Essayer de se choper cet agent. Vous voyez que les Bordelots, c'est pas se contentent pas de défendre. Hein. Ils ont aussi attaqué les Stalys. Hein. Qui sont très étendus le Bordelots. Allez, on continue. Et je passe le tour. Peut-être que je couperai un certain nombre de tours d'ailleurs. Dans cette vidéo, qui sont pas très intéressants, ce sont des sièges qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Très bien, ça. Ouais. Alors ça, ça peut être intéressant puisque maintenant j'ai de la cavalerie. Tout ça, c'est intéressant. On va prendre ça. Bon, il faut encore que j'attende 3 tours. On va le faire. Donc évidemment les armées vont revenir vers le nord hein, si les Stalys n'est pas plus actif. Niveau 1, niveau 3. On va choper celui-là. Parfait. Il sera prêt à intégrer une armée, lui. Allez, encore 3 tours. Et on fera autre chose. Non.
beaucoup d'agents à tuer, lui. Absolutely niveau 4, not. Niveau 3. Are you a god? Niveau 7. On va essayer de choper celui-là d'abord. Parfait, on passe à toi. Tiens, tiens, l'agent revient par ici. Donc les Stalys, cette fois-ci, se défend. Alors il y en a un qui est parti je sais pas où. Il est là en fait. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Non, ce sera bon au prochain tour, donc je passe. Voilà. Je crois que j'ai encore perdu un géant avec ses satanées batailles en automatique. Ouais, je confirme. Alors on va pas le prendre tout de suite parce que c'est deux tours et qu'il faudra qu'on rase la ville au prochain. Donc ici, on va essayer de se choper la donzelle. Et l'autre peut repartir au sud par contre. On va voir s'il n'y a pas du travail. Il n'y en a pas ici. Ok, allez, je passe le tour. Donc puissance des armes, commandement, défense. On prendra ça après et on passe au tour. Voilà, faction de plus détruite. Donc là on peut pas se refaire pour l'instant. Ok. Donc ici on a toujours cette jeune femme à choper. Je passe le tour. Ça s'attaque par ici, hein. Oula non. Pourquoi que 17%? Ah, c'est parce qu'il y a quelque chose. Voilà, donc je vais attendre un peu. On va faire ça. Effectivement, quand ils réussissent des actions, j'avais déjà remarqué, ils ont un malus ensuite pour les refaire, ces actions. Alors, la quête, c'était combien de temps ? C'est une tentative d'assassinat, calandouille. Je regarde pas assez mes quêtes. Hein. Ah bah non, il y a aussi battre l'armée. Ouais, enfin tout ça c'est pas très intéressant. L'autre était mieux peut-être. Ouais, on s'en fiche un peu. Donc ce qu'on va faire plutôt ici, c'est recruter
de nouveau un géant. Voir ce qu'on a en termes de cité à construire. 24. Bon, on va peut-être aller chercher les sorciers alors du coup. Donc on a dit Dominance. On va revenir par là. Celui-ci. Ready. Now. Are you a god? Ouais, c'est ça. On va attendre. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir que j'ai pas assez bien regardé ça, parce que certainement il y a des fois où j'ai perdu un assassin à cause de cette règle. J'ai pas fait assez attention que mon pourcentage était pas bon. Et par contre, le pourcentage lui était très élevé en que mon agent se fasse tuer quoi. Bon là c'est bon. Donc... Voilà. C'est bien mieux. Donc on va essayer avec mon assassin d'assassiner Alberic. 31%. Chance à pas une chance sur 3 d'y arriver, donc on va voir. Ah. Ok. Donc on est pas prêt puisqu'il faut encore attendre. Donc je passe le tour. Le royaume des nains. Et il me déclare la guerre, oui d'accord, ok. Pas de soucis, faites. On va raser direct. Lui va retourner par ici. Il a toujours son malus, donc il va redescendre par ici. On va voir si... Non, il n'y a pas grand monde, donc on voit à peu près où sont les armées. Hein. Donc, il y en a quelques-unes, mine de rien. Bon, bah écoutez, je vais vérifier ce que j'ai en termes d'enregistrement, parce que je pense que j'ai joué assez longtemps. Donc, à plus tard.